Hop, hop, hop. Il est en train de charger. Ouais, il est en train de charger. Hop. Voilà. Bon, du coup. Alors attendez, faut que je fasse les tests son. Parce que tu connais, tu connais. Voilà. Vous m'entendez? Je pense que le son du jeu, vous allez l'entendre aussi dans peu de temps. Alors en fait, je suis en train d'allumer le jeu. Je suis en train d'allumer Minecraft. C'est assez long. J'avais la flemme de commencer le stream plus tard. J'ai envie de le lancer là. Et j'ai envie de faire un stream ce soir. Voilà, je suis un peu fatigué. Bon, sinon ça se passe quoi. Voilà. Un petit gros plan du coup pour commencer. Donc on va faire du All the Mode 7. Tiens, j'ai en profité pour papoter un petit peu avec vous. Donc là, du coup, normalement, la vidéo YouTube a dû commencer, n'est-ce pas? Petit clin d'œil, hein? Puisque je vais découper ce stream en plusieurs vidéos YouTube, hein, comme d'hab. Hein. De toute façon, maintenant, pratiquement tous mes streams, ça sera ça. Il n'y a que les streams sur World of Tanks où ça sera pas ça. Parce qu'en fait, si je découpe les streams de World of Tanks, déjà qu'il y a 400 streams sur World of Tanks, imagine si en plus je découpe maintenant. On s'en sortira pas. Voilà, tu vois. Donc, non, les streams World of Tanks, en fait, c'est même pas ça le problème. C'est que du coup, si je découpe, qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde que les games? Si je garde que les games, est-ce que je garde que les games bien? Parce que si je garde que les games bien, le problème, c'est que autant au bout de tant d'heures de jeu, bah, j'aurai toujours pas de game correct. Donc, du coup, autant il y a un stream complet bah, où j'aurai rien récupéré d'intéressant. Donc du coup, tu vois, voilà, je sais pas trop comment faire pour World of Tanks, donc du coup, je me suis dit que je vais laisser World of Tanks en mode rediff et tout à l'ancienne. Genre, je pense que je streamerai directement sur du YouTube sur la chaîne principale, et il y aura la rediff sur la chaîne principale, juste pour World of Tanks. Et tous les autres jeux, je les stream tranquillement, pépère, sur Twitch. Je les découpe sur la chaîne YouTube, papati, patata. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce que je m'emmerde à faire des nouvelles playlists dans lesquelles je mets les vidéos? Ou est-ce que je récupère les streams et je les mets tous sur ma nouvelle chaîne YouTube? En sachant que j'ai fait le test, ça c'est super chiant à faire de déplacer d'une rediffusion d'une chaîne à une autre, à moins qu'il y ait une autre solution que je connaisse pas. Donc du coup, j'ai fait, laisse tomber. Je vais laisser comme ça actuellement. Les nouvelles rediffusions seront sur la chaîne rediffusion avec le temps. Et les vidéos, je vais les mettre dans les playlists qui existent déjà. Tant pis. Voilà. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de faire comme ça. J'ai toujours le jeu qui est en train de se lancer, hein, je précise. Pour ce qui est aussi un peu de la suite. Donc dans... On est quel jour là? On est... Le 6 juin. On est le 6 juin, ok? It's ok? On est si loin. Donc du coup, ça veut dire que, je précise donc, je crois que c'est le 26, il me semble. Le 26, j'ai plus de boulot. Jusqu'en septembre. Le 26 juillet, je stoppe ma... Bref, le 26 juillet, j'ai plus de boulot avant début septembre, ok? Donc je vais avoir une bonne période pendant laquelle je vais pouvoir... jouer, streamer, monter des vidéos, tout ça, tout ça. Donc ça va être cool. Je vais essayer de finir aussi le montage de une vidéo best-of, tout ça. J'ai essayé de me motiver à faire plus de montage plutôt que plus de stream. Alors attendez, je vais vous mettre le jeu par contre. Parce que ma gueule en grand, c'est bien, mais bon. Vous êtes là pour le jeu. Alors je suis en train de le paramétrer. Il est là. Hop. Normalement, il devrait s'afficher dans quelques instants. Oh, attendez, je vais attendre qu'il s'affiche parce que sinon, c'est en temps réel. Voilà, c'est bon, yes. Ce qui est cool aussi avec Twitch, c'est que du coup, je vois pratiquement en temps réel ce qui se passe, quoi. Genre vraiment, le délai est très court tandis que sur YouTube, le délai est très long sur YouTube, donc c'est pas le même délire. Voilà. Mais pour ce qui est de la suite, donc du coup, en fait, oui. Je reprends mon explication. Donc, en gros, en juillet, donc fin juillet, le 26, je crois que c'est le 26, je bosse plus.
jusqu'en septembre. En gros, dans le centre de formation dans lequel je travaille, bah, c'est l'activité ralentit énormément, voire s'arrête pratiquement pendant ce temps-là, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que mon activité s'arrête aussi. Donc ça veut dire que je vais avoir une période où je vais avoir du temps, période dans laquelle je vais commencer mon aventure sur The Witcher 3. Là, en fait, les streams qu'il va y avoir avant le fameux 26 juillet, n'est-ce pas? Ça va être des streams que je vais faire en mode, je ferai un peu Minecraft, un peu de Mountain Blade, un peu de ceci, un peu de cela. Je commence pas une grande aventure maintenant. J'attends, tu vois, d'avoir plus de time, histoire de pouvoir faire peut-être un stream par day, un stream par jour, quoi. Même si je pense que j'aimerais pas faire une fréquence aussi élevée, à vrai dire. Je pense que je ferai un stream tous les 2 jours, à vrai dire. De toute façon, ça sert. Maintenant, à l'heure actuelle, avec le système que j'ai et qui me plaît énormément là sur YouTube et Twitch, le fait que je découpe les vidéos, tout ça, franchement, ça me plaît énormément parce que j'ai l'impression de gagner vraiment en qualité, énormément, contrairement à avant où j'avais l'impression de stagner. Donc, du coup, ça me plaît énormément comme je gagne en qualité. Enfin, j'ai l'impression de gagner en qualité. Attention, je me revendique rien du tout, mais c'est juste pour dire que du coup, je sais plus où j'en étais. Tu sais où j'en étais, putain. Ouais, ça va être un stream, là je vais partir dans tous les sens, je vais raconter un peu. En fait, c'est un stream, je raconte ma vie. Voilà, ok? Je vous la fais courte. Et donc les vidéos aussi YouTube seront adéquates. Je pourrais même limite mettre cette vidéo dans l'information chaîne, même si c'est pas assez condensé pour que ce soit intéressant dans une playlist comme celle-ci. Comme celle-ci. Petite info au passage, là je suis en train de faire des. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a des prénoms. Ouais, bon. Tant pis. Mais je suis en train de faire des. De faire de. Vérifier les timers, le temps que ça met de lancer le. Tel ou tel mode pack. Est-ce que ça met 7 minutes, 6 minutes? Oui, là c'est assez long. Bon, là c'est une grosse game sur laquelle je suis, donc forcément c'est long. Mais. Enfin, c'est une grosse game. Allez, avancez quoi. Comme je disais tout à l'heure, en gros, fin juillet, c'est là où on va commencer à faire l'aventure sur The Witcher 3. J'ai l'impression aussi qu'en disant ça aussi, j'ai l'impression que je repousse un petit peu, je sais pas pourquoi. Tant The Witcher 3, genre, trop trop bon jeu, genre, je vais m'éclater, mais je sais pas. Après, je me suis déjà posé aussi certaines questions sur The Witcher 3, notamment. J'ai pensé aussi, entre guillemets, à la nudité qu'il y a dans le jeu. Je pense que je vais juste faire abstraction et m'en foutre totalement, à mon avis. Parce que de toute façon, je risque pas grand-chose, je pense. Le seul truc qui va être chiant, c'est que du coup, il y aura des vidéos sur la chaîne YouTube qui seront sûrement. Vous aurez sûrement besoin de vérifier que vous avez 18 ans, un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Salut Farid, bien sur le stream. Hop. Pourquoi je m'entends double là? Pourquoi je m'en. Attends, 1, 2! Non, je sais pas, je m'entends en double. Ok. Il est paumé. Donc, du coup, on fait un petit peu Minecraft tranquille, pépouze. Qui va être choqué par le cul. Ouais, mais bon, le problème, c'est que. Ça va être chiant parce qu'en fait, vous avez. Comment dire? Bah le truc c'est qu'en fait dans le jeu en gros il y a des scènes de cul, ok? Bon ça je pense que c'est pas nouveau, enfin je pense que vous êtes au courant sur The Witcher. Il est en train de construire donc je le filme en même temps. Le fait est que théoriquement sur le papier c'est pas dérangeant, le problème c'est que si par exemple je fais un épisode de 30 minutes, admettons, et que genre cette scène de cul entre guillemets ça fasse je sais pas 10 secondes quoi tu vois. Bah, tout l'épisode, les personnes qui n'ont pas prouvé qu'ils ont 18 ans avec une carte bleue ou quoi que ce soit, ou une carte d'identité, eh ben, pourront pas visionner l'épisode. Donc moi, ça me fait chier. Voilà. Sachant que je n'ai moi-même pas fait la preuve de tout ça. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mis de carte bleue ou de carte d'identité. Donc, théoriquement, aux yeux de YouTube, j'ai pas 18 ans, quoi. En gros, c'est ça. Work, work,
Donc les vidéos des types violents, genre les trailers de jeux genre Battlefield ou des trucs comme ça, il y en a certains que je peux pas voir quoi. Et je suis en mode putain de merde. Les trailers Battlefield, oh là là, c'est les meilleurs trucs les mecs. C'est les meilleurs trucs les trailers Battlefield, putain les mecs. Ils sont talentueux ceux qui font ça. Il a fini de construire ce Google, enfin. Donc là je suis en train d'améliorer en fait mon bâtisseur, mon constructeur. Il est passé niveau 3. Ce qui est plutôt pas mal. Et il commence à avoir de la gueule, hein, franchement. Contrairement au bûcheron à côté qui est niveau 1 et qui est dégueulasse. Là j'ai fait une tour de défense. Il faut que je fasse d'ailleurs plus de tours de défense, apparemment mes villageois ils m'en demandent, on va voir. Voilà. En gros j'aimerais qu'il y ait une barrack tower en près de ma maison parce que je ne me sens pas en sécurité. Voilà, ça c'est ma traduction de cet anglais. Là on a deux maisons, il y en a une ici aussi, là, dans des styles différents évidemment. Donc il faut que je foute une barrack tower pas loin, genre par là ou là. Je pense que je vais en foutre une là, ouais. C'est un arbre ça? Ah ouais, putain, à cause de la neige on voit pas. Je pense que je vais en foutre une là, tu vois. Je vais mettre un peu de terre ici pour aplanir, on va faire ça. Et on va lancer la construction d'une tour en plus. Donc j'ai cette tour là pour défendre. J'ai aussi cette tour là. Ici. Voilà. Celle-là est niveau 2 d'ailleurs, elle est un peu plus évoluée. Il m'en faudrait plus. Alors là, ça c'est un restaurant. Le problème c'est que. En fait, quand j'ai arrivé dans la colonie, il y avait ce restaurant-là à, comment dire, à réparer, parce qu'il était abîmé. D'ailleurs, je vois qu'il y a un problème dans la toiture, là, ici, voilà, il faudra que je le répare. Et il y avait aussi ce restaurant-là, ça veut dire que j'ai deux restaurants. Et je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas. Est-ce que c'est pas débile d'avoir deux restaurants? Tu vois? Bien, tu coupes. Il s'emboîte. C'est pourquoi pas. J'ai mis ma carte d'identité. Ça se fait vite envoyer. Ouais, mais t'es fliqué quoi. Enfin bref. J'aime pas ça. Donc là, on a un restaurant, mais je le trouve un peu inutile celui-là quoi. Genre le mec, il fait rien en plus. Ouais, il a rien foutu. Ce gland. Mais je pense que je vais le déconstruire, lui demander à mon constructeur de détruire ce bâtiment-là parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de réel intérêt. Alors, ici, juste petite précision. Si vous voyez des cendres dans le bois, c'est parce qu'en fait, c'est de la foudre qui est tombée et qui a foutu le feu partout, là. Donc, ça a foutu un bordel sans nom. Donc, ça, il faudrait peut-être que je m'en occupe aussi, détruire les arbres qui sont en train de voler, là. Bref, il y a des choses à faire. Pas forcément des choses à faire vraiment modées, mais des choses à faire quand même. Ici, c'est une mine qu'il faut réparer. Que si je dis pas de bêtises, il y a des trucs qui sont pétés, il me semble. Ouais, remarque, ça a l'air d'être plutôt. Ah voilà, tu vois là, hop, il manque des blocs ou des trucs comme ça. Bon, après ça, c'est réparable. Ici, j'ai fait un entrepôt. Que je pourrais éventuellement améliorer, histoire d'avoir plus de rangement. Tout ça c'est géré par les colons, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient dans l'entrepôt, il prend des ressources, il va les amener à celui qui en a besoin, etc. etc. Donc en fait tu peux vraiment faire un truc tout autonome avec tes villageois si tu gères bien ton coup et si tu fais les bons bâtiments au bon moment. C'est assez chaud et c'est surtout très long. C'est très long. C'est extrêmement long. Mais voilà. Je me dis qu'en ayant muré le bâtisseur, peut-être qu'il va être plus rapide. J'aimerais bien. Peut-être que je me crafterai un autre bâtisseur aussi. Tu sais, c'est un peu à la Clash of Clans, tu vois. Il faut un bâtisseur, il faut des maisons pour les habitants. Il faut de quoi bouffer pour eux et tout. Et il faut des mines aussi, comme celle-là, qui peuvent nous rapporter des ressources, évidemment. Comme l'autre qui est là-bas aussi. Je sais pas, je crois qu'elle est level up celle-là. Attendez, je vais vérifier. Ouais, elle est niveau 2. Voilà, il y a un garde et il y a le mineur. Comme j'ai passé mon atelier niveau 3, ça veut dire que je peux faire passer mes bâtiments jusqu'au niveau 3 maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça c'est cool. Là j'ai mis du cacao, d'ailleurs j'ai fait pas mal de voyages dans la carte du monde parce que j'arrivais pas à trouver une putain de jungle. Genre vraiment il m'a fallu aller jusqu'au. Regarde-moi ça. Jusqu'au bout
du fin fond du trou du cul du monde, hein, vraiment. C'était terrible. Avant de trouver enfin du cacao et du jungle wood, quoi. Parce qu'il m'a fallu du jungle wood pour une mission. Donc du coup, j'ai mis un waypoint là-bas pour le marquer, quoi. C'est quoi ça, là, tiens? Ah ouais, c'est une grotte ensevelie de flotte. Ouais, ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Voilà. Appelle un portugais. Ah, mais ils sont pas rapides, vraiment. Bah justement, ça va pas être en portugais, parce que vraiment... Il nous faut des élèves, là. Alors, attendez, je vais poser mes conneries, là. Clac, clac, voilà. J'ai aussi acheté une épée de timbré, mon gars. Looting 5, Unbreaking 5, Bane of Arthropod 10, je savais même pas que ça existait. Fire Aspect 3, et Minding. Ça veut dire que quand je tue un ennemi, ça l'XP régénère mon épée, quoi. Rien que ça. Rien que ça, mon neveu. Par contre, j'ai un retour son, je m'entends. Je sais pas dans quoi, mais je m'entends. C'est pas mon téléphone, peut-être? C'est peut-être mon téléphone. C'est pas grave. Du coup, ce que je voulais faire, parce que là, je me suis paumé. Là, il y a toujours la mine de Tinker Construct que j'utilise pas, parce qu'en fait, le problème de Tinker Construct, c'est que c'est sympa en apparence, c'est un mode intéressant, mais quand t'es dedans, tu remarques que tous les outils que tu peux crafter avec, ils sont longs et durs à crafter, enfin, surtout longs à crafter, et au final, pour des outils qui sont parfois moins bons que ceux que tu peux avoir dans le Minecraft de base. Donc, du coup, j'ai un peu laissé tomber Tinker Construct. Pour l'instant, c'est de côté. Sinon, pour ma cave, vous montre un petit peu tout ça aussi. Clac. Voilà. J'ai rajouté. Comment ils appellent ça? Des storage cells. Voilà, des items storage cells, histoire de pouvoir stocker beaucoup plus de matériaux, d'items, quoi que ce soit. Il faut que j'en rajoute encore. Hein. Là, c'est une 4000. Ah oui. Voilà. Voilà. 334. Sinon aussi derrière là j'ai rajouté des machines un petit peu. Bon j'essaierai de vous présenter ça en genre si j'en ai besoin je vous le présenterai. Là une batterie toujours, électricité, toutes les machines ici pour crafter justement tout ça. Etc. etc.